Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo qui célèbre la rentrée, donc je vais faire un défi où il va falloir que je chine en 30 minutes dans une boutique associative ma tenue de rentrée et quelques éléments de fourniture scolaire. Donc je me suis fait une petite liste. On va éviter de faire comme les lycées qui nous donnent une liste énorme alors qu'au final on se sert que de deux cahiers et deux stylos. Donc là je vais aller à l'essentiel, je vais essayer de trouver vraiment ce qu'il me faut pour une rentrée, on va dire, basique. On va aller au Emmaüs de Trappes. C'est un Emmaüs qui est pas dans Paris, du coup il est à côté de Élancourt, c'est en Ile-de-France. C'est un Emmaüs que je connais pas, j'avais vu sur les photos qu'il avait l'air assez grand. Merci à Back Market de sponsoriser cette vidéo de rentrée. Vu que c'est un peu la période où on achète un ordinateur, parce que souvent en études supérieures c'est plus simple, en amphithéâtre etc, je me suis dit que ça pouvait pas mal d'intégrer Back Market pour que puissiez avoir un équivalent de produits électroniques mais version seconde main, parce que je trouve que c'est important de consommer de la seconde main, c'est le thème de ma chaîne, et du coup c'est le cas de Back Market. Back Market est le leader en France concernant la vente de produits reconditionnés. C'est en fait des téléphones, des iPads, des aspirateurs, toutes sortes de produits électroniques qui sont de seconde main et qui ont été du coup remis à neuf en fait par des experts qui ont parfois changé des pièces défectueuses et ont remis à neuf du coup les appareils pour pouvoir les utiliser et aussi pour pouvoir recycler. Du coup c'est moins cher pour nous, donc le site est sécurisé et fiable, vous avez des garanties de minimum 12 mois. J'ai personnellement acheté mon téléphone et mon iPad sur Back Market. Mon téléphone ça va faire 3 ans que je l'ai et mon iPad ça fait un peu plus de 6 mois et je suis très satisfaite de Back Market, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous en parler. Et sachez que la nouveauté de cette année c'est qu'il y a moins 5% sur tous les produits de Back Market pour les étudiants, donc sur une simple inscription au programme étudiant vous pouvez bénéficier de moins 5% toute l'année. C'est intéressant si vous comptiez racheter un ordinateur par exemple pour cette année scolaire ou un téléphone, admettons, et bien c'est un bon moyen de recycler et de payer moins cher. Sur le site, vous avez une catégorie back to school avec potentiellement des choses qui pourraient vous intéresser pour la rentrée. Je pense par exemple aux aspirateurs reconditionnés Dyson, il y a une petite catégorie, et pour ma part, ce qui m'intéresse c'est les smartphones, puisque ma maman a grillé son téléphone et je comptais lui donner le mien pour en acheter un nouveau, plus récent, comme cet iPhone 11 256 Go qui est à 769 au lieu de 979, donc ça me fait économiser 210 € en investissement, mais ça reste mon outil de travail donc il me faut une grosse capacité de stockage et une bonne qualité de photo. Et ce que j'aime beaucoup sur Back Market c'est que vous avez une indication en grammes de gâchis électronique en moins. Donc je vous mets toutes les infos en description, donc c'est parti pour le Emmaüs de Trappes où je vais chiner. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que je vais trouver facilement ce dont j'ai besoin puisque là je filme le week-end avant la rentrée, donc je pense que tout le monde fait ses achats au même moment, donc j'espère aussi qu'il n'y aura pas trop de monde. C'est parti. On est au Emmaüs de Trappes et du coup j'ai 30 minutes pour tout chiner pour la rentrée. Bon là j'essaye de trouver une tenue pour la rentrée, donc un truc un peu classique, assez classe on va dire. Il y a des sacs, des cartables comme ça, un peu vintage. Là, il y a un ordinateur qui peut rentrer dedans, je pense. Petit cardigan qui passe bien, pourquoi pas. Celui-là est pas trop mal. Ça, c'est pas mal, hein. Ouais. Pourquoi pas? Petite jupe en cuir. Avec ça, non? Petite jupe en cuir avec un petit cardigan, pourquoi pas? Ça peut être classe. Elle, je pense qu'elle va m'aller. Veste de blazer pour la rentrée. Elle aussi, elle est belle. Tu fais un petit nœud au milieu. Ouais. Pas mal.
Alors j'ai potentiellement trouvé déjà la tenue de rentrée, donc ce petit cardigan noir avec cette veste et la jupe en cuir. Je pense que ça peut bien aller avec des Doc Martens. Sinon j'ai aussi trouvé ça, ça peut être cool aussi, mais du coup ça ira pas trop avec la veste, donc à voir. Et un autre petit cardigan rouge, je sais pas si je vais le prendre, j'hésite. Parce qu'à la base je suis venue que pour le défi, donc je vais essayer de pas trop acheter. On continue. Bon, j'ai trouvé un petit béret pour compléter le look. On m'a payé, puis là on va se diriger vers les cahiers pour pas perdre de temps parce qu'il faut se dépêcher, j'ai que 30 minutes. Je vais voir s'il n'y a pas peut-être une petite mallette pour pouvoir transporter un ordinateur ou des cahiers. Et après je pense que j'aurai fini déjà pour le look et il me reste juste à trouver les fournitures scolaires. Je suis dans la partie livres, il n'y a pas de partie spécialement papeterie où il y a des trousses, ce genre de choses. Donc je pense qu'on va être dans un deuxième Emmaüs. J'ai déjà trouvé toute ma tenue, il me manque un sac et les fournitures. Et ça dépend vraiment de certains Emmaüs ou boutiques associatives. Et du coup, on va aller à celui de Riquet, où là je suis sûre de trouver ce qu'il me faut pour la rentrée. Bon, en sortant du Emmaüs, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit rayon rentrée avec des fournitures scolaires. Du coup, j'ai trouvé quelques cahiers et des pinceaux. Bon, on a fini le Emmaüs, je pensais qu'il était plus grand que ça, mais il y a quand même pas mal de choses. J'ai trouvé toute ma tenue pour la rentrée et il me reste à trouver un petit sac et plus de fournitures. À la fin, j'ai remarqué qu'ils avaient mis sur des tables plein de fournitures, donc il y avait des lots de crayons, il y avait des cahiers pas utilisés, il y avait des pochettes, il y avait aussi des porte-documents un peu vintage, donc moi j'en ai pris plusieurs, je vous montrerai tout à l'heure une fois que j'aurai tout chiné pour la rentrée. Donc en vrai, on a fait ça en 10 minutes et là, on va dire qu'il me reste 20 minutes pour trouver le reste. Je pense qu'on va aller au Emmaüs de Riquet. Au tout début de mes vidéos, j'en parlais souvent. En fait, c'est le plus gros Emmaüs de Paris et je pense que pour la rentrée, ils ont préparé un stand dédié à la rentrée et on va pouvoir trouver plein de choses. Donc, entre temps, il s'est mis à pleuvoir. Donc, on va retourner sur Paris. En tout cas, je suis super contente de ma tenue. Je pense qu'elle va être super jolie. Petite tenue un peu d'écolière. J'ai même trouvé le béret qui va avec à 1€. On y va, c'est parti. Du Emmaüs de Riquet, j'ai pas beaucoup filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde, puisqu'il y avait un gros rayon pour la rentrée scolaire. Donc si vous cherchez des cahiers, des stylos plumes, des crayons, du scotch, plein de choses qui coûtent une blinde en supermarché ou dans les grandes surfaces, là-bas vous avez d'énormes stocks pour pas très cher. Je crois que c'est 50 centimes un cahier, donc ça vaut vraiment le coup. On rentre chez moi et je vais déballer tout ce que j'ai trouvé. Donc ça a été relativement facile en soi de tout trouver. Je suis étonnée d'ailleurs d'avoir pu trouver ma tenue de rentrée en si peu de temps, genre en 10 minutes, c'était bouclé. Voilà ce que j'ai trouvé pour la rentrée, tout est dans ces sacs. Je vais déballer et je vous montre, je vais aussi laver les vêtements avant de les porter quand même. Je suis plus en étude, mais j'ai pris des choses qui allaient me servir pour cette année pour le travail. Pour la rentrée, j'ai donc trouvé un lot de pinceaux, stylos, ciseaux. En fait, vous avez plein de crayons et vous faites une petite sélection de ce que vous avez besoin. Donc moi, ciseaux, j'ai pris beaucoup de pinceaux et quelques stylos, crayons papier, etc. Ça permet d'avoir l'essentiel. Ça vaut vraiment le coup parce que ça, j'ai payé 1€ tout ça. Donc les pinceaux, c'est super cher en temps normal. Ensuite, rien à voir avec la rentrée, mais j'ai trouvé ce lot de perles. J'ai payé 1€. Après, j'ai trouvé ce carnet, c'est un album photo, mais je pense qu'on peut s'en servir pour autre chose, pour faire un portfolio. Je trouve que la couverture est très belle, en plus elle a été protégée par un plastique, en dessous c'est du tissu, du coup il est en bon état. L'intérieur il est comme ça, en fait il est tout neuf, il a pas été utilisé. Du coup, celui-là je l'ai payé 2€. Après, en termes de cahier, j'ai essayé de prendre des choses qui faisaient un peu vintage. Tout ce qui est ustensile pour les cours, ça a pas vraiment d'intérêt que ce soit forcément joli, juste que ce soit pratique. Donc là il y avait des porte-vues, comme vous voyez, des classeurs avec des pochettes, un joli rouge.
rouge. Après, vous avez un porte-document. Donc celui-là, il est vraiment à l'ancienne avec le petit nœud ici. Ensuite, j'ai trouvé donc des gros cahiers, voilà, avec 192 pages les deux. Ce que je faisais quand j'étais plus jeune, à ma rentrée en fait, je faisais des collages sur mes cahiers pour que ce soit plus joli, que ça me donne envie de les ouvrir, on va dire. Par exemple, pour l'histoire géo, je faisais un collage en rapport avec l'histoire géographie. Pour la littérature, je faisais un autre collage dans le thème, du coup. J'ai eu donc ce lot-là pour 2 €. C'est rien du tout. Et pour finir, une trousse qui ressemble à une trousse que j'avais déjà, que j'ai payée 50 centimes, où je peux ranger tout ça dedans. Il y a possibilité de faire ses fournitures scolaires sans problème dans les Emmaüs, les boutiques associatives. Ils ont souvent des fins de série. Tout ça, j'ai payé 7 €. Ensuite, à l'exception de ma tenue, du coup, j'ai trouvé ce cartable, en fait, où je peux ranger mon ordinateur dedans. Je peux ranger mon iPad avec lequel je fais des dessins et des incrustations pour mes vidéos. Du coup, ça, c'est un iPad que j'avais acheté sur Back Market. Ce qui est marrant, c'est que c'est un cartable BNP Paribas, genre vintage. Les cahiers rentrent dedans aussi. Vous voyez, ça rentre nickel. Le look est composé d'un top à 2 €, d'une jupe à 5 €, d'un béret à 1 €, un petit blazer à 5 € et un sac à 1 €. Pour finir avec un petit cartable à 7 €. Pourquoi tu veux toujours gâcher mes plans là ? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que vous avez le lien en description du site Back Market si vous voulez regarder les offres. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous !